Et ouais les copains, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le lire sur le titre, c'est bel et bien le 11e épisode de la Big Pioche. Donc on va aller récupérer tout ça. Donc évidemment, salut tout le monde, comme d'habitude. La politesse c'est important. Donc ouais, j'ai pas mal J'ai pas mal de pioches exclusives à récupérer, en grande partie grâce au TG qu'on a joué. Et en plus des drafts exclusives, on va évidemment récupérer pas mal de WrestleMania 39 et peut-être de Myth, parce qu'on peut obtenir une Myth ou une WrestleMania 39 dans les packs, en plus des deux drafts exclusives et des super coins. Donc vous savez quoi, on va commencer par les packs hors sujet. Enfin, hors sujet, ouais, il y a d'autres packs où est-ce qu'on peut récupérer des drafts exclusifs, donc comme dans les packs TBG, packs PVP, ce genre de packs. Donc là, on a un pack TBG où on a fait 15 000, 15 000. Match nul. Donc, bon, là, il n'y aura pas de surprise. Bon, il y a quand même un show draft exclusif en clé, hein, évidemment. Et 1090 super coins, hein, ce qui est pas déconnant. Ensuite, il y a un pack PVP, bon, il n'y aura pas de surprise. Et maintenant, il y a aussi les packs du Giant, c'est vrai. Ah ouais. Bon, on va récupérer les packs du Giant, allez. Bon, les gars, je vais pas m'éterniser par contre sur le nombre de dégâts que j'ai fait par Giant. Ah, merde, j'ai oublié un pack TG, bon, c'est pas grave. J'ai pas fait exprès. Bon, c'est le WrestleMania 39 en plus, donc bon. C'est pas grave. Donc on va rester sur les packs Giant et après on terminera avec les packs TG. Donc cet épisode 11 de la Big Pioche risque de durer facilement une bonne demi-heure, je pense. À mon avis, avec tout ce qu'il y a à ouvrir. Bon, pour le moment, il n'y a pas véritablement de surprise. Mais bon, ça fait que de commencer, donc on va en avoir, hein. Ça c'est sûr et certain, avec tous les pioches que je vais récupérer, là. Enfin, que je suis déjà en train de récupérer. Il y a moyen d'avoir de très bonnes cartes, hein. Il y a moyen qu'on chope pas mal de bonnes cartes. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de bien fou. Bon, après, c'est les packs Giant, donc bon. On peut avoir des surprises, même si bon, généralement, c'est pas la folie. Et le dernier pack du Giant. Ah. Rien du tout. Donc aucune mythe pour les packs du Giant. Bon, au moins on aurait espéré. Mais bon, c'est pas fini. Bon, on a encore un pack PVP, j'avais pas vu. Et maintenant, on passe à l'ouverture des packs TG. Même si j'en avais déjà ouvert un entre deux sans faire exprès. Donc, il y a pas mal de packs. On ouvre le premier, donc la plupart des packs qu'on va ouvrir, ça va être des TG Win. Même si on a quelques-uns qu'on avait perdu, mais malgré tout, malgré qu'on avait perdu ces TG-là, ben, j'avais quand même fait plus de 700 points. Donc j'ai décidé du coup de les garder, hein, parce qu'il y a quand même deux drafts exclusives à prendre, malgré la défaite. Grâce à mes 700 points, bien évidemment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est dès que si vous avez fait au moins 700 points, vous repartez d'office avec deux drafts exclusives et potentiellement une mythe d'office grâce au nombre de points de fait. Que vous gagnez le TG ou pas, vous aurez au moins ça. Et après, si vous gagnez, ça vous en fait 4. Hein. Ça vous fait 4 drafts exclusives, peut-être 2 mythes ou 2 WrestleMania 39, ou une mythe et une WrestleMania 39 et pas mal de super coins. Ce qui est quand même pas déconnant. Bon, pour l'instant, il n'y a que des WrestleMania 39. Bon, après, on va pas se plaindre, hein, parce que on va quand même se mettre bien dans tous les cas avec tous les drafts, avec tous les drafts qu'on est en train de récupérer. Et donc, on va forcément faire du reset. On va forcément récupérer des cartes de notre niveau. Et je récupère un Mankind qui est potentiellement une pro. Ou alors, c'est Mick Foley que j'ai parce qu'il faut savoir, parce qu'il y a. Y a... Il y a toutes les gimmicks de Mick Foley sur ce tier, donc c'est compliqué de se repérer, parce qu'il y a aussi Mankind, Dude Love et Cactus Jack, donc c'est une pro, d'accord, bon. Ah bah super!
Roxane Pérez, c'est une fortif, donc c'est quand même cool. Même si je l'ai pas encore pro. Ouais. Cody Rhodes Royal Rumble 23, ouais, bon, ouais, c'est pas fou. Encore une WrestleMania 39, bon. Carmelo Hayes qui passe pro, mais il me sert à rien. Bah ouais. Encore une WrestleMania 39, bon, c'est pas grave. On enchaîne, allez. On a déjà chopé une pro quand même, hein, c'est pas déconnant. C'est pas dégueulasse. Et on récupère quand même. On va récupérer un bon nombre de super coins aussi, ça c'est vraiment intéressant aussi. Hein. C'est tous les drafts exclusifs qu'on récupère, le nombre de super coins s'affolant. Et puis on va risquer pas mal de fois le draft exclusif, du moins je l'espère. Avec tout ce que j'ai, je pense que j'aurai pas de mal. quand même. Il y a une mythe, il y a une mythe. Donc, prédiction en commentaire. On est actuellement à 6 minutes et 12 secondes. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à me donner votre pronostic sur la mythe qui va apparaître dans quelques instants sur cet écran. Allez! Rhea Ripley qui passe pro! Les féminines, c'est bien ça. C'est bien. Donc, je l'avais pioché à un moment donné dans le draft basique. Donc, Rhea Ripley qui passe pro, c'est pas dégueulasse. Hein. Ah ouais, hein. Ça fait quand même deux mythes, hein, quand même, là. C'est pas mal. Ouais, bon, une Royal Rumble, ça me sert à rien. WrestleMania 39, c'est pareil, mais bon, Beth Phoenix, là, elle passe en fortif. C'est quand même intéressant. Ça reste quand même intéressant. Ouais, bon, encore une WrestleMania 39, Rick Boogs, ouais, qui pourrait passer pro par la suite. Donc là, c'était une défaite de jeu, on avait gagné une barre contre 4, ouais. Bon, j'ai cliqué trop vite, c'est pas grave. Ouais, bon, il y aura pas mal de WrestleMania 39, mais dans le ton, on a déjà récupéré quand même deux mythes. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on avait perdu. Donc, on avait perdu 1 contre 4. Donc, on avait réussi à gagner une barre, mais ils en ont gagné 4. Donc, forcément, ils l'emportent. Mais comme j'avais fait 700 points, 720 points, c'est marqué que j'avais fait 720 points. Et quand t'as au moins fait 700 points, et ben, tu pars d'office avec deux drafts exclusives et une carte de niveau WrestleMania 39 ou Myth et quelques super coins. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que quand, malgré qu'on ait perdu certains TSG, j'ai quand même gardé ces packs-là en question parce que j'ai fait plus de 700 points et que quand on fait plus de 700 points, on récupère d'office, deux drafts exclusives et peut-être une mythe et des super coins si je récupère Solo Sikoa qui va passer en pro. Eh ben, pour l'instant, on a récupéré 3 mythes. 3 mythes, 3 pros, quoi. Putain, sans faute. 3 mythes, 3 pros. 3 pros. C'est propre, hein, franchement. Non, c'est propre. On peut pas dire le contraire, les copains. Ça reste propre quand même. Ça reste propre, hein. Encore une mythe. Bon. On va être à 10 minutes vidéo, donc à 10 minutes pile, n'hésitez pas à faire votre pronostic pour cette quatrième mythe. Est-ce que ça va être une pro, oui ou non? Est-ce que ça va être une masculine ou une féminine? N'hésitez pas à me faire ce pronostic en commentaire. J'ai dit à 10 minutes, alors qu'on est à 9 minutes. Ouais, bon. À 9 minutes, allez, à 9 minutes, faites-moi ce pronostic. Voilà. Allez. Et c'est Austin Theory, c'est une pro aussi, non? Non, nouveauté. C'était sur le compte secondaire que je l'ai eu. Donc j'ai confondu. Bon. Cette fois-ci, c'est pas une pro. Bon, c'est pas grave. Mais on prend quand même, ça reste une carte de niveau, hein, comme d'habitude, hein, les copains. On prend, hein, c'est une carte de niveau. Shayna Baszler qui va passer pro, ouais, bon. Même si ça me sert à rien. Mais... Donc là, pas mal d'opening, hein, les copains, on est servi. Hein, la big pioche, ouais. C'est encore au top niveau. Ouais. Braun Strowman, ouais. Bon.
Il y en a encore pas mal. Ah hein, putain, ouais, il y a encore quand même pas mal de packs là. Ah ouais, c'est pas fini, hein. Allez. Lugalos, WrestleMania 39, ouais, ça me sert à rien. Deuxième. Il y a une mythe, encore! Eh ben, on a de la chance. On est à 10 minutes 20. Donc, à 10 minutes 20, n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour cette cinquième mythe. Est-ce que ça va être une pro, oui ou non? Est-ce que ça va être une masculine ou une féminine? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et évidemment, sans tricher, parce que sinon, c'est pas drôle. Allez. Angelo Dawkins, je l'avais pioché en draft basique, il me semble. Donc, c'est une pro. Tout à fait, c'est une pro. Eh ben super! On prend avec un grand plaisir. J'ai déjà pas mal de pro à faire. Eh ben là, niveau boulot. Ouais. Je pense que on va être pas mal. Sérieusement. J'avais déjà pas mal de pro à faire de base, mais là, avec les 3-4 qui viennent d'arriver, là. J'ai du taf qui m'attend, quoi. Donc go faire du Royal Rumble, quoi. Hein. Go faire du PVP. En Royal Rumble. C'est le meilleur mode pour entraîner ses cartes. De toute façon, c'est connu. Et là, avec le temps, en ouvrant les packs, je vois mes super coins se augmenter. Enfin, le compteur, ouais. Et ça me déplaît pas, franchement. Bien au contraire. Bon, il y a pas mal de WrestleMania 39 quand même dans le tas. Hein. C'est pas. Je vous le cache pas que ça m'ennuie un peu. D'un côté. Mais bon. C'est l'inconvénient des packs TG. Parce qu'il faut quand même un peu d'inconvénient. Parce que trop de facilité tue la facilité. C'était une défaite, là. Ça avait l'air d'être une défaite, non? Non, j'ai du mal à voir. Attends. Non, c'est une victoire. On avait gagné 3 barres et eux ils avaient fait 2 barres. Bon, non, c'était une victoire. C'était une win aussi, ouais. J'ai pris que deux drafts, là. Et ben franchement, très clairement, même si je l'avais déjà donné mon avis sur le moment quand la nouvelle version du TG était sortie à l'arrivée du chair, franchement, c'est une dinguerie d'avoir ajouté ce système-là de nous donner cette possibilité de récupérer une carte de notre niveau en TG en plus des deux drafts exclusives et des 500 super coins. C'est l'idée en elle-même, elle est pas dégueulasse, hein. Même si des fois pour marquer des points c'est compliqué parce que maintenant ce qu'il faut savoir par rapport à avant quand avant à l'époque sur l'ancienne version du TSG quand tu perdais 3-0. T'avais quand même l'opportunité de marquer 20 ou 25 points, c'était ça à peu près. Alors que maintenant, quand tu perds 3-0, ben 0 points quoi, tu marques pas de points. Et du coup, ça te bouffe tes accès bêtement. Tu bouffes tes accès dans le vent de ce fait, et c'est un peu dommage. Encore une mythe. Bon, les copains, 13 minutes 24, n'hésitez pas à me donner votre pronostic. Féminine ou masculine, une pro ou pas une pro, n'hésitez pas à me dire tout ça. Allez, go! Cody Rhodes! Oh! Je l'ai pioché dernièrement aussi encore. Eh ben, c'est une F2. C'est une F2! Eh ouais! Nickel! Ah, j'ai pas verrouillé, merde. Liv Morgan, ouais, bon, je l'ai déjà pro, c'est de la fortif, je l'ai eu quand il y a 5 minutes. Bon, bah, F2, Cody Rhodes, hein. Ouais, cool. Oh, franchement, putain. La chance est au rendez-vous, les copains. Et heureusement que j'ai économisé autant, parce que c'est ça qui fait que la vidéo, elle est très bien. Hein. C'est grâce à ça, hein, de toute façon. Si la vidéo avait été aussi bien, aussi intéressante, c'est parce que j'ai économisé beaucoup, beaucoup de shots draft exclusives en grande, 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 très grande partie grâce au TAG. Parce qu'on en lance 3 par jour. Hein, et on les gagne quasiment tous, voilà, 90% du temps, on va dire, à peu près, ou 80%. Becky Lynch, d'accord, c'est une fortif. On valide. Bon, on a. Hey, les gars, sans déconner. On va être à un quart d'heure de vidéo. On va être à un quart d'heure de vidéo et on n'a même pas encore commencé à faire de la pioche exclusive. Si on met aussi un quart d'heure pour faire les pioches, eh ben les gars, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ouais. Bon. Je pense que là, je vais être à 60 000 super coins. Hein. C'est pas mal. Hein. Putain. Ah, je suis pas loin. Je suis à 54 000. Bon.
C'est pas dégueulasse, hein. Oh! Putain, la surprise! Bailey, passe pro! Je l'avais eu en récompense échelle durant la dernière vidéo. Enfin, non, pas la dernière. Durant la vidéo découverte du tiers, quoi. Voilà. Où on avait ouvert des packs, tout ça, le freebie, voilà, la routine. Bon, Bailey passe pro, hein. Putain. Bon, par contre, les mecs, vous avez même pas idée des pros que j'ai à faire. Et encore, on n'a pas encore fini d'ouvrir les packs. Hein. Et derrière, il y a encore des pioches exclusives, hein, les gars. Bientôt je vais avoir une blinde de pro quoi. Cody Rhodes. F3! C'est excellent! C'est excellent! C'est excellent! Que se passe-t-il? Cody Rhodes F3! Cody Rhodes F3, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les copains? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, niveau chance, ça y va, hein, un peu trop fort, peut-être même. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bon, on va pas se plaindre, hein, la chance, elle est pas toujours là, donc quand elle est là, faut en profiter, faut savourer. Et je vous avoue que ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas du tout. Oh, le chef de tribu, qui passe pro! Même si elle me sert à rien, je valide pour le catalogue, évidemment. Et on a dépassé la barre des 60 000 super coins. Et ben, Liv Morgan, je crois qu'elle va être F3, parce que ça fait 3 fois que je la chope, et je l'avais déjà pro. Donc, ben écoute, bon là c'était perdu, je crois, j'ai vu. Ouais, exact, c'était perdu. Ouais. 3-2 pour eux, pour l'équipe adverse. C'était perdu. Ouais, Carlos, je l'avais eu au tout début aussi, donc ça passe au minimum F2. Enfin, peut-être même F3, si je crois que je l'avais déjà fortif une fois. Donc, pas mal de surprises. Hey, Meiko Satomura, elle est dans le Wargames, justement. Et encore une mythe, donc à 17 minutes 35, n'hésitez pas encore à donner votre pronostic. Est-ce que ça va être une masculine? Est-ce que ça va être une féminine? Ou est-ce que ça va être une bro ou une non-pro? Et ne trichez pas, comme d'hab. Allez. Randy Orton! Ouais, on valide, d'ailleurs. D'ailleurs. Bon, ce que je vais dire, faites attention. Si vous voulez pas de spoil, enfin, vous allez vous douter un peu ce que je veux dire, si vous voulez pas vous faire spoiler. Avancer de 2-3 minutes. Parce que, apparemment, je dis bien apparemment, parce qu'il n'y a rien de confirmé, évidemment, comme d'hab, c'est des rumeurs, mais il se pourrait que Randy Orton revienne très prochainement et pas plus tôt que ce week-end à Money in the Bank. Et franchement, je vous avoue que je serais super content que ça arrive, parce que ça fait quand même un an qu'il est absent à cause de son dos, justement. Et il est clair que, bah, il manque, hein. Donc, j'aimerais bien le revoir, Randy Orton. Voilà. Comme pour beaucoup de monde ici présent dans les commentaires, je pense. Donc il y a encore quelques packs. On arrive bientôt sur la fin. Ah, c'est un pack où j'avais pas joué. Bon, c'était un TG perdu alors. C'est pas grave. 200 super coins, ouais. 10 drafts basiques. Bailey, oh! F1! F1, oui! Que se passe-t-il? La chance est présente, les copains. J'ai pas mis le candle. Ah, merde. Pas grave, je vais faire ça après. Ouais, faut mettre les canons, les copains. D'ailleurs, j'avais commencé à faire une série de vidéos tuto. Enfin, j'avais fait que deux vidéos tuto, donc pour les TBG et une astuce pour faire vos éclats en TRD. Mais il faut que je reprenne cette vidéo. Oh, Liv Morgan, d'accord. Bon, désolé, hein, Esmeralda, hein, si tu regardes cette vidéo, bah, je crois que tu l'as déjà d'ailleurs. Hein, bon, je suis désolé quand même. Je suis désolé quand même. On verrouille. Allez. Liv Morgan, ça fait plaisir. Ça aurait pu être une pro parce que j'avais réussi à l'obtenir sur mon compte secondaire. C'est pas grave. C'est pas impossible que j'arrive à la réobtenir par la suite. Hein. Évidemment. Parce que ça reste une carte basique et les cartes basiques, on peut toujours les répiocher autant qu'on veut. Donc, 19 minutes 50. Quelle carte? C'est une masculine ou est-ce que c'est une féminine? Est-ce une pro ou une non pro? Faites vos pronostics.
Faites vos pronostics et ne trichez pas. Parce que je vous vois, les gars. Hein. Je vous vois. Allez. Angelo Dawkins, eh ben, F1. Bah ouais. Je l'ai eu tout à l'heure. Et comme c'était des jeunes pros, bah ouais. C'est une fortif. Eh ben, pas mal de fortifs. Ouais, putain, Là, je crois que la Big Pioche, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé les drafts exclusives, les copains. On n'a même pas encore commencé les drafts exclusives que j'ai déjà chopé pas mal de bonnes cartes. Dont beaucoup de pros et de fortifs. C'est incroyable. C'est incroyable quand même. Bah ouais. Après, j'ai économisé pas mal de paquets quand même. C'est vrai. Bon. Mais quand même. C'est dingue ce qui arrive. Bah ouais, c'est dingue. Ouais. Ouais. Oh, une mythe, 20 minutes 45. Faites vos pronostics. Encore une fois, ne trichez pas. Allez, c'est parti. Gigi Doline. Ouais. J'aime beaucoup sa carte en plus. Bah, surtout la tour, ouais. Donc, c'est une des cartes que je voulais. Bah, ça tombe très bien. Bah, je l'ai. Voilà, c'est fait. Très bien, ouais. On valide. Je verrouille. C'est pas une pro, évidemment. Vous vous doutez bien. Au vu de ma réaction. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dernier pack, allez. Est-ce qu'on va avoir la chance? Bon, sous ce coup-là, non, parce qu'avec. C'était le dernier TG qu'on a fait. J'avais pas fait les 700 points, donc, bah ouais. Mais non, bon. Bon, je vais pas me plaindre. Franchement, beaucoup de surprises. Et on a atteint officiellement la barre des 70 000 Super Coins et John Cena post-pro au sein de cette petite nouvelle. Parce que oui, j'ai officiellement 70 000 Super Coins. Je suis plus que prêt pour le prochain tir, hein, les copains. Oui, voilà. Ouais. Oh la vache! Non, 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 non. 144 pioches. Putain, je me doutais que j'allais en avoir pas mal, mais à ce point-là. Non. À ce point-là, non. Non, non, non. À ce point-là, non. À ce point-là, non, non. À ce point-là, je pensais pas. 144 pioches exclusives. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que qu'on puisse en réobtenir avec toutes les cartes de merde qu'on va se taper au cours de cette série de pioche exclusive avec ce 11e épisode de la Big Pioche qui va être déjà incroyable parce qu'on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo et que c'est pas prêt de se terminer. C'est pas prêt de se terminer et nous sommes à 20 minutes de vidéo, hein, juste. Hein. Rizette le premier! Est-ce que c'est une pro? Non, je crois pas. Le mise. On valide, évidemment. Beaucoup de surprises. Eh putain, non mais beaucoup de surprises, les gars. Putain, sans déconner, putain. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de pioches d'un. Ouais. Bon, après, à l'époque, c'était des TG de 8 heures, donc on pouvait faire un seul TG par jour, quoi. Alors que là, on peut en faire 3-4, quoi. Et si la plupart du temps, c'est des wins, et ben. Clairement, ouais, putain. C'est la première fois que j'ai autant de drafts exclusifs, quoi. Putain. La vérité. Reset, le deuxième, le deuxième. Le Boogeyman, c'est une pro parce que dernièrement on l'avait eu en TRD. Enfin, pas le dernier, hein, celui d'il y a deux, c'était celui d'il y a 2 semaines. C'était celui d'il y a 2 semaines. Parce que celui de cette semaine, c'était Dexter Lumis. Évidemment. Ouais, Gunther, bon. Ouais, bon. Je sais bien que j'ai beaucoup de pioches, mais quand même, on va pas riser tous les 36 du mois, quand même. Et les gars. On va pas riser tous les 36 du mois, quoi. Même si j'ai pas mal de pioches, c'est pas une raison, quoi. Le but, c'est de riser un maximum. Ouais. Le jeu, il est pas de cet avis, hein, je crois. Il préfère me donner des cartes de merde. Ouais. Ouais, bon. Je risais au dernier moment, je le sens. Je le sens. Et puis ça va être une soutien. Je le sens gros comme un camion. Et ça va être une soutien. Reset. Non, bon. Un peu au dernier moment quand même, hein, mais. Oh Zelina Vega, un passe pro! Un passe pro! Oui! Je suis content. C'est l'une de mes cartes préférées côté féminin, je crois. Ouais. Putain, en fait, les pros féminins. Oh putain. Oh non, putain.
En fait, j'avais qu'une seule pro côté féminin, ouais, c'est la Tiffany Stratton Money the Bank, donc avec Bailey, puis Zelina Vega, et puis peut-être il y en a encore une autre, je sais plus, je crois. Bon, ça m'en fait trop, quoi. Bon, c'est pas mal, hein. Charlotte Flair, ouais, a passé fin, donc super cool. Deux Charlotte Flair pour le prix d'une, d'affilée en plus. Pas le même tir, mais quand même, c'est plaisant. Non, mais je crois que le jeu, il veut pas que je reset direct, en fait. Il te fait comprendre, il me dit, non, tu reseteras pas direct, c'est mort, frère. T'as 140 pioches, à un moment donné, tu vas pas nous casser les couilles, hein, parce que tu vas avoir déjà, tu t'en tires déjà pas mal. Mais bon, est-ce que c'est une véritable raison pour me faire chier et me foutre des bâtons dans les roues et me mettre des bâtons dans les roues en me faisant reset ce putain de tableau de draft exclusive tous les 36 du mois? Eh ben non. Parce que c'est chiant. C'est quand même chiant. Mais bon, je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre, hein, demain, on est encore là, putain, je suis encore cassant pioche, toi. Donc là, clairement, les mecs, hein, très clairement, je pense que je vais pas, j'abuse pas sur les mots, mais on est en train d'assister au meilleur épisode de la Big Pioche de l'histoire, avec ce 11e épisode, et Zelina Vega qui passe F1. Quelle surprise encore. Zelina Vega qui passe F1, putain. Eh? C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse, hein. Je pense que je vais être bien, bien prêt pour le prochain RTG déjà. Et l'idéal est là, et c'est bien ça. Parce que en RTG, quand t'as pas des pros de ton niveau, laisse tomber, hein. Tu vas finir à la carte event et le mode héroïque si tu le fais en plus 6, plus 3, ou bien peut-être en plus 2, hein. Ou plus 4. Hein. Tout dépend du nombre de pros et du deck que t'as, mais. Reset, voilà, allez. Stone Cold Steve Austin, c'était déjà une pro, bah c'est une fortif. J'ai une tonne de pro, les mecs. Je viens de choper pas mal de pro, et j'en avais déjà pas mal à faire. Et bah, les gars, ouais. Comment vous dire? Franchement, je m'attendais pas à avoir autant de pioches dans le draft exclusif, hein, sans déconner. Hein, même déjà avoir autant de surprises dans les packs. Hein. Reset encore, oui! Elias! Bon, c'est pas une pro, je crois. Non. Non, mais clairement, j'abuse pas sur les mots, les copains. J'abuse pas du tout sur les mots. Je suis en train de littéralement de vous faire vivre le meilleur épisode de la Big Pioche de la chaîne. Et c'est que le 11e. Hein. C'est que le 11e. Et c'est très clairement le meilleur. Voilà. C'est très clairement le meilleur pour moi. Et c'est pas encore fini. C'est encore loin d'être fini. Et j'ai chopé déjà pas mal vraiment pas mal de bonnes choses. Et très clairement, c'est la première fois que je fais un aussi bon épisode. T'as pu parler. Et je crois que c'est très clairement la première fois que je fais vraiment un aussi bon épisode. Même excellent. Parce que énorme, même énorme. Et j'abuse pas sur les mots, parce que c'est clairement le cas. C'est vraiment clairement le cas. Il reste encore dans les 80 pioches. Et on va être à une demi-heure de vidéo, hein, les copains. Ouais, mais bon, si tu pouvais reset, ce serait bien aussi, non? Maintenant? En train de me faire le tour du propriétaire, limite. Ouais, bon. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça sent la soutien. Le mise! Non, il passe pro. Il passe pro. Bah non, ça sentait pas la soutien, mais bon. Je suis toujours assez méfiant quand même, parce que quand je vois que je reset mon tableau de draft quasiment sur la fin, je me dis ça pue le soutien. Et parfois c'est le cas. Donc c'est pour ça que je disais ça. J'étais pas très serein. Reset! Oui! Script, passe pro, mais bon, je crois que c'est très clairement l'une des pires cartes de ce tiers. J'aurais pu m'en poser. Reset, eh putain, deux fois de suite. Eh, c'est beau, ça, c'est beau. Damien Priest, il passe pro. Non mais j'ai chopé combien de pros dans l'histoire, là? C'est insensé, là. Non mais les copains, c'est insensé, là. Que se passe-t-il? Franchement, qu'est-ce qui se passe?
Oh putain. Oh non, mais là, j'aurais jamais pensé avoir autant de chance et autant de pioche en fait. Reset encore. Allez. Est-ce une pro? Zelina Vega, ouais. Bah, elle passe F2. Enfin, quoi qu'à voir, si j'ai que 3 pros et que je peux F2 une féminine, je vais peut-être la pro deux fois. Parce que ce serait quand même peut-être un peu plus intéressant déjà pour le RTG. Donc, à voir. À voir. Ah non mais j'adore cet épisode de la Big Pioche. C'est clairement le meilleur que j'ai fait de cette série, sans déconner. Je me répète, hein, je sais, je suis désolé les copains, mais... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Même déjà, mon année 2023, elle est déjà assez exceptionnelle en termes de chance, parce que bon, j'ai déjà fait 3 shows de catch cette année. J'ai assisté à mon tout premier show WWE, après j'étais à un show de la ICWA. Ensuite, j'étais assisté à mon premier show de Bodysoy Wrestling. D'ailleurs, j'ai sorti la première partie du vlog, mais là, pour le deuxième, c'est pas encore le cas. Donc, faut encore que je travaille la deuxième partie de ce vlog, qui sera la dernière partie, d'ailleurs. Voilà. Mais ouais, clairement, putain, je fais une belle année 2023. Et là, putain, ça confirme. Et cet épisode de la Big Bioche confirme vraiment bien que 2023, c'est mon année, quoi. Il se passe que des bonnes choses, quoi, limite. Sans déconner, c'est incroyable, c'est exceptionnel ce qui arrive. Sans déconner, 144, 144 drafts exclusifs quoi. C'est énorme les copains, c'est énorme. Reset au dernier moment, bah ouais. Soutien, bah ouais, je l'avais dit, c'était sûr, fallait que ça arrive à un moment, bah ouais, fallait que ça arrive, c'était sûr, je le disais. Et vous voyez, j'ai reset au dernier moment pour me bouffer un soutien d'Anna Brooke. Qu'est-ce que je vous avais dit il y a quelques minutes? Qu'est-ce que j'avais dit? Bah ouais. Ouais. Reset au dernier moment, ça sent le reset. À 90% de chance. Et ouais. Et pas manqué. C'était le cas. Mais bon. Mais bon. Pas se plaindre. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Parce que clairement, j'ai chopé une tonne de pros, quoi. Une masse de cartes et j'ai chopé une masse de mythes et une masse de pros aussi, quoi. Donc, j'ai clairement pas le droit de me plaindre. Si je me bouffe un soutien dans tout ça, juste un seul soutien dans tout ça, c'est clairement rien du tout, hein. Limite, ça passe à travers, quoi. Ça se voit pas. Donc, au pire. Reset? Oui! Solo, c'est quoi? Allez, F2, F2, F1, F1. Ouais, F1, F1. Bon, F2, F1. Plaisant, c'est plaisant. Il commence à me donner un peu de fortif, c'est sympa. C'est sympa ça. Ça renforcera encore un peu plus aussi le décartage avec des fortifs. C'est toujours bien. C'est bien aussi les fortifications. C'est ce qu'il faut aussi parfois. Surtout quand t'en es à un stade où t'es full pro et que t'as plus besoin de pro. Le mieux c'est de choper des fortifs et quand ça arrive, ça fait quand même plaisir. Même quand t'es pas encore full et qu'il te donne des fortifs, c'est plaisant quand même. Hein. Dans tous les cas. Hein. Ça reste bien plaisant. Bien plaisant hein. Ça reste bien plaisant. Bon, on a dépassé les 30 minutes, hein, les gars. non, mais. Et après, il faut encore faire le ménage avec, faut encore faire le ménage et trier ce qui est bon et pas bon. Ce que je peux mettre en poussière et que est-ce que je dois garder. Ah ouais. Bon, par avance, c'est que je m'excuse, mais putain. Oh, putain, l'épisode de malade, quoi. Non, mais, sérieux. Non? Reset, allez, encore. Weasley, c'est une fortif, j'ai déjà pro. C'est une fortif, donc F1. C'est une F1. Ah bah écoute, c'est bien aussi les fortifs, hein. Je le redis, hein. Je le redis, hein, les fortifs, ça reste quand même assez bien. Assez plaisant. Bon. Bon, s'il pouvait reset avant la fin quand même, ce serait sympa. Histoire que je gratte encore 2-3 quarts de niveau, ce serait sympa. De préférence des superstars, parce que bon, les soutiens, c'est pas mon kiff. Même si des fois, je peux en avoir besoin. C'est vrai. Je préfère avoir des superstars. Je sais pas vous, mais moi, je préfère avoir des superstars quand même. Hein. Même si j'ai un peu besoin de soutien en pro.
de mon niveau. J'en ai deux, mais c'est des non pro, c'est des simples. Je vais résister au dernier moment. Ça se trouve, ça va être une putain de soutien qui va me recasser les reins. Littéralement. Bah ouais. Voilà, reset. Voilà. Seamus, c'est une single. Allez, on est sur les dernières pioches, les copains. 9, 8. C'est le moment ou jamais, peut-être, pour se refaire un dernier reset ou deux, avec un peu de chance. Mais bon, d'ailleurs, je pense qu'on va avoir quelques pioches, parce que avec tout ce que j'ai eu, les gars, 144 pioches exclusives, frère. Hein. Avec tout ce que j'ai eu, là, il y a moyen de regratter quelques pioches supplémentaires. Hein. Facilement, 4-5 au moins. Ouais. Avec tout ce que j'ai eu, ouais. Hein. Facilement, même peut-être même 10, hein, je pense. Hein. Il y a moyen de gratter, hein, les gars. Y a moyen de gratter quand même. On y croit. Eh ben, ce fut long. Ah ben, ouais, tout ce qui a transformé, là. Bon, je peux faire des pros potentiellement, donc. Attention, parce que c'est dangereux, là. Parce que là, en fait, faut vraiment trier, quoi. Oui, putain, tout ce qu'il y a. C'est dingue, hein. Et ben on repart complètement gagnant là, les copains. Avec tout ce que j'ai eu en pro là quand même aussi, putain. Ah c'est dingue. Bon Elias c'est bonne pro, confirmation. Même si je sais à peu près ce que j'ai en carte. Non Ray Ripley je peux la fortif encore je crois. Ronda Rousey elle est déjà F3 donc ça sert à rien. Oh là là, t'as tous les poussières que ça fait quand même. Évidemment, les deux risettes d'affilée pour le Charmite. Voilà, deux mythes d'affilée quand même. Ça, c'était beau aussi. Hein. Enfin, moins beau que script hein, quand même. Oh là là, je suis déjà 40 000 poussières. Voilà, oh là, putain. Bon, la Dana Brooke Mitte, je la jette. Hein. Excusez-moi, mais là. Solo Sikoa, je verrouille. Bobby Lashley, je jette. Wesley, je verrouille. Donc là, on va gagner pas mal de pioches supplémentaires. Hein. Ça va être intéressant quand même. Ça prend du temps, je suis désolé. Hein, mais si ça peut être long, parce que je suis quand même à bientôt 40 minutes de vidéo là. Donc j'en suis un peu désolé, mais là, c'est un épisode incroyable. Alors là, putain. C'est la première fois que je fais un aussi beau épisode de la Big Pioche. C'est le 11e et c'est le plus beau. Il est historique même. Il est même historique. 67 000 poussières. Quasiment 70 000 poussières. Hey. C'est incroyable. Bon, je sais pas quoi, j'ai même pas idée du nombre de pioches supplémentaires qu'on va obtenir, moi. Mais je pense qu'on va en avoir une dizaine. On va en avoir une dizaine, je pense. C'est mon avis, hein. Donnez votre pronostic, mais je pense qu'on en aura une dizaine. Ah ouais, clairement. Et ça va me donner la chance de reset une ou deux fois de plus. De reset une ou deux fois de plus ce tableau de draft, hein, exclusive, et on y croit. On va faire le nécessaire. Enfin, du moins, le tableau, je crois qu'il est sur la fin. Et il était sur la fin. Donc,
Je vais essayer de repartir avec au moins une mythe supplémentaire, que ce soit une soutien ou une superstar. Donc on va voir la réponse. Combien de pioches? 11. Eh, j'avais dit au moins une dizaine. Le compte, il est juste bon, quoi. Reset directement. Eh ben voilà, c'est bien. Et c'est Shinsuke Nakamura. Il était dans un mode héroïque d'un event. Il était en mode héroïque d'un event. Hein. Je sais plus lequel, mais. Mais je crois que je l'avais pas fait. J'avais pas été le chercher. Donc c'est pas une pro. C'est dommage, mais bon. Bon, allez, on espère un reset supplémentaire. On y croit. Suffisamment fort. Allez. Ouais, bon. Je commence à moins y croire quand même. Mais bon, on se plaint pas. On se plaint pas. Allez. Ouais, bon, attends. On va essayer de gratter. Peut-être que je peux gratter. Attention, attends. J'ai peut-être les anciennes pioches, là, peut-être. De tout à l'heure. Non. Ah, merde. Bon, il y a moyen de gratter, là, quand même. Hein? Je vais peut-être garder Liv Morgan. Je sais pas si je l'avais trop, mais. Ah, si, je crois que si. Donc, je peux la donner. 5000, allez. Je crois que si, je vais avoir une pioche en plus. Allez. C'est là, je vais avoir une pioche en plus. Ah, j'en reviens toujours pas. C'est dingue. Je n'en reviens toujours pas. Pas de reset. Bon. Bon, au moins, j'aurais essayé. Et voilà le travail, ça s'arrête là, les copains. 40 minutes d'épisode. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je vais regarder les pros. J'ai peur. J'ai pas encore vu, mais j'ai peur. J'ai peur. Oh là là. Oh putain. Ah non, mais c'est. Putain. Regardez les mecs. Attends, Bailey, faut verrouiller. Je le dis toujours de verrouiller vos cartes, mais si moi-même je le fais pas, ça va aller. Bah, quoi qu'avoir, Cody Rose, je peux jouer le fortif. Hein, parce que. On va aller dans les pros, vite fait. On va faire ça vraiment rapidement, puis après, voilà. Parce que. Et voilà, ça va être une F3. Cody Rhodes F3, c'est vraiment propre. Et on va faire 2-3 pros. Ça, il va rapidement du côté des WrestleMania 39. Hein. Ou Royal Rumble, tout dépend. Ben, voilà. Triple H passe pro. Stone Cold Steve Austin, il va passer pro aussi. Ça fait des étoiles en plus pour le catalogue, ça tombe très bien. Cody Rhodes, allez. Même s'il était déjà en pro. Shawn Michaels, allez. Bon, il y a les cartes héritage qui s'activent à chaque fois, c'est chiant. Hop. On peut pro Sami Zayn. Eh, bah oui. Hop, Sami Zayn passe pro. Et Asuka également. Bon, ça devrait suffire un peu Cody Rhodes. On fait ça vraiment rapidement, puis j'arrête parce que. Oh, il y a Nakamura, putain, j'ai pas vu. Oui, oui, oui. Oui. Surprise, hein. Ouais, c'est l'effet de surprise. Hein. Bon, j'en ai mis un petit peu trop, c'est vrai. Allez hop. Cody Rhodes F3. C'est ma. Du coup, Cody Rhodes, c'était ma freebie mythe. Et c'est du coup aussi, pas que ma freebie mythe, mais c'est ma première mythe pro F3. Première freebie et première pro F3 du côté du char mythe pour Cody Rhodes. Ce qui est pas mal. Bon, on va s'arrêter là, les potins. Parce que très grosse vidéo. Donc, le temps de chargement de cette vidéo, ça va être quelque chose. Parce qu'elle est quand même bien longue. Plus de 40 minutes. Bon, j'ai tout ça en pro à faire. Hein, ce qui est pas. Putain, ce qui est. Hein, Wesley Boy, c'est une pro, putain. Non, c'est une fortif. Hop, on va faire ça. Hop, on va le fortifier. Comme ça bouge.
Bah Taylor Bate, ouais, c'est une fortif aussi, ouais, grâce au reward Mania, les copains. Et hop. Et puis je vais améliorer ça plus tard de mon côté, mais j'ai quand même encore pas mal de pros à faire. Il y a du boulot. Il y a du boulot, les copains. Bon, allez, on s'arrête là. Donc j'espère que ce 11e épisode de la Big Pioche vous aura plu, les copains, parce que c'était quand même assez historique hein, sur cette série de 11 épisodes. Cet épisode, ce 11e épisode est quand même très probablement le meilleur épisode de cette série. Et c'est un épisode tout simplement légendaire avec ses quasiment 200 pioches de draft exclusive. J'étais clairement pas prêt à autant de chances et surtout autant de pioches de draft exclusive parce que c'est la première fois que j'en ai autant. Hein. Parce qu'à l'époque, j'en avais peut-être une cinquantaine, grand max. Et là, ça a clairement dépassé le truc. Hein. Ce qui est énorme. Bon, sur ce, vous connaissez la routine, hein, le petit like, le petit commentaire, le petit partage et le follow à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, parce que le soutien, ça fait toujours plaisir à recevoir et c'est ce qui me donne de la force à continuer à continuer de faire ce que j'aime faire, de faire des vidéos avec vous, voilà, de faire des vidéos sur Supercard et d'autres trucs à côté, voilà, toujours en rapport avec le catch, bien évidemment. Allez, sur ce, portez-vous bien et portez-vous bien. Allez, bonne soirée les copains et comme vous voulez. Voilà. Allez, ciao.